Suivez-moi. Enfin. Oh, oh. Merci. Salut Julie. Coucou Elvis. Je suis soulagé de vous voir. Mon gouvernail est totalement bloqué. Et c'est pas de ma faute. T'en fais pas, Charlie. Je vais vite arranger ça. Assure-toi que le moteur est coupé. Oui, bien sûr. J'y vais. J'ai hâte de voir ton poisson. Je te parie qu'il va être énorme avec de belles grosses nageoires. Oh, belle prise. Bravo, Marie. Je te félicite parce que tu viens d'attraper ton premier poisson. Oh, maman, c'est moi qui devais attraper le premier poisson. Ne t'inquiète pas, Poussin. Moi, je suis certaine que tu vas pêcher une baleine dans une seconde. Maman, ça marche. Cette fois, ça mord. Oh, il pèse une tonne, l'animal. Tiens bon, il a l'air vraiment, vraiment énorme. Bouge avec le poisson, Nicolas, sinon ta ligne risque de se casser. Ne t'inquiète pas, Poussin, maman va t'aider. Merci, maman, tourne ton moulinet. J'enlève cette corde parce qu'elle va te gêner. Je vous l'avais dit, il est énorme, ce poisson. Denise, Elvis et Nicolas ont besoin d'un petit coup de main. Ça t'ennuie de prendre la barre à ma place? Bien sûr que non, avec plaisir. Aide mon fils à remonter sa prise. Je m'occupe du reste. L'important, c'est que tu gardes le cap. Oh, ça doit être le plus gros poisson qui ait jamais été pêché à Pontypandy. Et mon poussiné d'amour va devenir trop. Dommage. Maman, mon poisson. Oh, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ah oui, il y a un trou. On a dû toucher un récif. Ah, tu avais juste. On doit tous monter à bord de Neptune. Et vite. Mais où est Neptune? Là-bas, regardez. Elvis, attrape ce seau et commence tout de suite à écoper, s'il te plaît. Je vais appeler les secours. Allez hop, dehors. Je suis désolée, Trésor, mais je ne veux pas de moutons chez moi. Mais maman, ils vont avoir tellement froid s'ils restent là-bas dans la prairie. Mais oui, et alors? Ils ont de la laine pour les garder au chaud. Tu vas les ramener chez eux et revenir ici sans tarder. Nous avons un bus à prendre. Oh, avance, Toudou. Suis ta maman, Junior. Je vais vous ramener dans le froid. Tant pis. Oh, salut, Nicolas. Salut, les moutons. Toi qui aimes les animaux, Elvis, je parie que tu n'as pas envie de voir ces pauvres jolies petites bêtes grelotter dans un champ froid et sombre. Je me trompe? Eh bien, non, évidemment que non. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi pour les garder jusqu'à ce que je revienne. Quoi? Non, attends, je peux pas les garder. Merci, Elvis. Je dois aller prendre le bus. À plus tard! Quoi? Mais non, attends! Le commandant Steele va encore se fâcher. Allez, dépêche-toi! Tu vois que Tristan attend! Mais pourquoi t'es pressée, maman? Je voudrais faire encadrer cette magnifique photo de toi que j'aime tant. Oh, pas cette photo-là, pitié! Oh, bah tu étais si beau quand tu étais bébé. Mais je la déteste, cette photo! C'est tellement gênant pour moi! Restez là! Et ne faites pas de bruit. Ah, tu tombes bien. Je ne me rappelle plus où j'ai mis ma pomme. Je croyais l'avoir laissée sur mon bureau. Essaie de voir si tu la trouves, tu veux bien? Oui, chef. C'est quoi, ça? Oh, ça, c'était moi, j'ai bâillé. Ah, c'est ça. Tu ne dors pas suffisamment. Junior? Les moutons? Oh! Mais où êtes-vous? Je dis toujours lentement mais sûrement. Moi, au Canada, je conduisais souvent de gros camions sur des routes recouvertes de givre et de neige. Oh! Vraiment? Ça devait être dangereux, dis donc! Danger, c'est mon surnom, Denise. Mets le turbo, vas-y! À ce rythme-là, on va arriver dans la nuit.
Non, rends-moi tout de suite cette pomme. C'est celle du commandant et il la cherche partout. Ma pomme! Je l'ai mangée. Pardon? Oui, chef, c'est moi. J'ai mangé la pomme que vous gardiez pour le goûter. Miam miam, délicieuse. Ce garçon est devenu fou. Vraiment, chef? Oh que oui. Alors, j'ai tellement hâte d'y retourner. À ce qu'on m'a dit, Gaston l'a entièrement rénové, tout en conservant son ancien cachet. Vous allez le vérifier vous-même dans 5 minutes. Merci, grand-père. On s'est vraiment amusé. Et en plus de ça, on est dans les temps. Sam le pompier doit venir vérifier la sécurité ce matin. Oh! Oh, tenez, le voilà justement. Bonjour Gaston! Salut les enfants! Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On vient juste de faire une balade en train. Ah, cet endroit me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon premier véhicule avait des roues spéciales pour rouler sur des rails. Mais c'était l'époque de la vieille mine. Oh, j'adorerais que vous me parliez de tout ça. Eh bien, allons faire un tour si vous voulez. Venez! En ce temps-là, les wagons remplis de charbon étaient gardés là. Oh, on dirait bien que je vais faire l'inspection tout seul. Est-ce que vous voulez m'aider? Avec plaisir, Tonton Sam. Génial. Pour commencer, on va aller voir toutes les sorties de secours. Et quand on avait une petite faim, on faisait griller des tranches de pain dans la chaudière. Oh, oh, c'était le bon temps, pas vrai, Ernest? Enfin, bref, ça me fait penser que les passagers attendent, alors je vais aller préparer ma chaudière. Oh, oui, bien sûr, allez-y. Ne vous occupez pas de moi, je connais cet endroit comme ma poche d'uniforme. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais si... Oh... On était tous les deux plus jeunes à l'époque. Regarde dans quel état est ta carrosserie aujourd'hui. Oh, tu aurais bien besoin d'un lifting. Commandant Steele. Oh, c'est Mathieu. Hors de question qu'il te voie comme ça. Tonton Sam a fini son inspection. Tant mieux. Alors, allons-nous-en. Il faut faire attention parce qu'il y a des araignées. Voilà, c'est ça. J'ai tout bien vérifié, chef. Toutes les consignes de sécurité ont été respectées à la lettre. Bonne nouvelle. Maintenant, il reste encore à faire une inspection chez Martin au centre d'activité montagnarde. J'allais le dire, chef. Nous, on doit rentrer. Maman nous attend. D'accord, Sarah. Et vous ne venez pas, chef? Non, Sam. Voilà, j'aimerais rester ici pour vérifier la soupape de la sonnette d'alarme. C'est ça. C'est bizarre. Il n'y a pas de sonnette d'alarme sur ma liste. Ah, regarde ce que j'ai, Tristan. Brûle ça. Oh, merci, Nicolas. Regardez le bus. On est sur un lac gelé. Et à cause du feu, la glace se fissure. Allez, tout le monde sur la berge. Obéissez. Mais j'ai laissé ma photo préférée de mon fils dans le bus. Peut-être, mais on n'a ni refuge ni feu, alors tant pis. Si Martin ne revient pas avec les secours... On est dans un sacré pétrin. Allô, les pompiers? Bubus est sorti de la route. On a besoin d'aide. Vite, ok? Quoi? Non, c'est impossible! Tristan a perdu le contrôle du bus. Tristan a fait une sortie de route. Il faut aller les aider. Oui, très bientôt. La sirène, ils arrivent. Hé, regardez, c'est Sam. Elvis, assure-toi que tout le monde est en sécurité. Julie, toi, tu restes au volant de Jupiter. S'il vous plaît, les amis, reculez un peu. À toi de jouer, Julie. Attends. Tu devrais peut-être reculer, ce serait plus facile. Oui, bonne idée, Sam. Encore un peu. Bravo. Encore un peu, voilà. Oui. Génial. On va vous donner un peu de thé pour vous réchauffer de l'intérieur. Mon Tristan, vous l'avez sauvé. Hein?
Sauver quoi? Ma photo adorée. Vous saviez à quel point elle comptait pour moi. Oh, Tristan, vous êtes un vrai héros. Oh, c'est mon bien le plus précieux. C'est Nicolas quand il était bébé. Oh, il est tout nu en plus, regarde. Oh, maman! Je dois te remercier, Martin. Tu as affronté le blizzard pour aller chercher de l'aide. C'était drôlement courageux. Eh, hey, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Courageux, c'est l'un de mes surnoms. Oh. Un horrible monstre! Oh, il y a plein de monstres de sortie ce soir. Oh, désolé, c'est tout ce qui reste. Ça marche! Regarde tout ce que j'ai récupéré. Dis donc, je fais quoi, moi, dans ton plan? Tu pousses. Oh. C'est difficile. Si je ne trouve pas de concurrent sérieux, ça ne sert à rien de faire des championnats cette année. Accorde-lui un peu de temps, il débute. Et j'espère que les enfants se débrouillent mieux qu'Elvis. Pousse, Damien. Plus fort. Très étrange. Les gens n'ont plus de bonbons. Pourtant, on vient à peine de commencer. Comment est-ce qu'on peut faire la tournée si personne n'a de bonbons? Oh, on finira bien par en trouver. Denise, on a un petit problème. Tu n'aurais pas des sucreries à la boutique par hasard? 3 cartons entiers, tu dis? Oui! Merci, tu nous sauves la vie, Denise. On passe les chercher tout de suite. J'ai récupéré toutes les sucreries de Pontypandy. Nous, tu veux dire, cousin? Oui. Un croque-mentin? Vert, non. On va chez Denise, on part. Qu'est-ce qui vous prend? Bonsoir, Nicolas. Quel drôle d'Halloween. Toutes les sucreries de Pontypandy ont disparu. Ah bon, pour de vrai? Mais ce n'est pas grave. Il reste 3 cartons entiers de bonbons à l'épicerie de ta mère. On partagera avec vous si vous venez. Partager? Mais moi, je les veux tous! On doit arriver avant eux. Dépêche! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, pousse très fort pour changer. Oh, à vos ordres, colonel. Oh, j'en ai assez de cette soirée. Oh, cette fois, il a poussé fort. Et en plus, ça descend. Oh, du coup, je suis presque arrivée. J'arrive pas à freiner. Attention! Mais, moins vite, Nicolas, fais attention. Faut que je trouve un moyen pour freiner. Parce que sinon, je vais encore faire un plongeon dans l'océan. Maman! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est l'heure.